faire croître plutôt que faire mourir. Tous nos choix nous aiguillent dans le champ des possibles, mais ce qui est passé, nul ne peut le changer. Ce qui est à venir paraît aux êtres sensibles, mais pour eux-mêmes, ce sens leur paraît étranger. La conscience a des strates plus ou moins proches des mots. Ce qu'un jour on formule est un ordre plus grand. Se formule toujours plus de pensées au cerveau. C'est qu'on fiche ou l'on grave l'essence de ces instants. Ils sont gravés dans l'air, l'environnement raconte. Les discussions s'éveillent, l'espace d'une entrevue. L'univers mécanique parle quand on le démonte. Et ce qu'on peut écrire, c'est bien qu'on l'a perçu. Jamais l'esprit ne faiblit pour l'heure de pratiquer la foi. Cette heure donne d'appliquer en termes de nos acquis. Lorsque l'âme n'est à posséder et sous aucun prétexte. Et que le don de soi implique certains savoirs requis. Comme pouvoir se connaître soit avec ou sans des textes. Et chacune des histoires du monde véhicule un esprit. La multitude est si variée en actes soit en messages. En raison d'être et par définition en raison d'être appris, le monde spirituel est plus vaste que le plus grand des paysages.